On va terminer avec ce sujet en exclusivité pour ETV et par ETV. Une conférence s'est tenue cette semaine afin d'aider les chefs d'entreprise à bien communiquer. Véritable succès, et la conférence était gratuite. Le reportage de Marius Mathieu. Hôtel Arawak du Gosier. Ce mardi soir, l'établissement s'apprête à recevoir une centaine d'invités, tous sur leur 31, pour participer à la 5e conférence LeaderCom menée par Jean-Yves Frixon. Mais j'espère pouvoir développer encore plus au niveau du potentiel client, surtout. Au programme, des conseils et astuces dispensés gratuitement pour développer la communication de son entreprise. Un partage d'expériences acquises par plusieurs années d'entrepreneuriat. L'objectif de ces conférences, dans cette conférence, on a appris les 5 clés d'une bonne communication. Également, dans cette conférence, je donne une stratégie, comme si on allait voir une agence de communication, pour bien communiquer avec son entreprise. Et c'est un moment convivial, avec des chefs d'entreprise qui ont fait le déplacement nombreux ce soir à l'hôtel Arawak au Gosier. Cette soirée, c'était pour rencontrer tous nos partenaires, tous les gens qui collaborent avec nous au niveau publicitaire, et aussi faire découvrir à des nouveaux chefs d'entreprise qui étaient présents à cette conférence pour venir travailler aussi avec nous. C'est une réussite, c'est la 5e édition de cette opération. En 2018, on avait déjà organisé 4 conférences, et pour 2019, c'est la première. Et je pense que les gens ont répondu présent, puisque certainement ils ont eu écho des éditions précédentes. Bien communiquer, c'est aussi maîtriser la pédagogie. Et ce soir, la leçon semble être comprise pour les participants. J'ai pu retenir que nous avons donc plusieurs sources de communication que nous pouvons développer et que nous devons surtout utiliser, comme la radio, internet, télévision, voilà. LeaderCom, c'est plusieurs conférences chaque année en Guadeloupe. Un événement immanquable pour les entrepreneurs désireux de devenir plus performants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV.